Quand même pas juste pour sa femme, parce qu'il y a un problème de couple, mais quand même, comment peut-il oublier qu'il touche 5000 euros d'un think tank où il continuait d'émarger alors qu'il était ministre? Comment on peut oublier? C'est là où je vous dis le décalage avec les Français. Comment on peut oublier qu'on touche 5000 euros? Vous imaginez un ouvrier qui l'oublie, qui touche un deuxième salaire sur sa paye, mais ça n'existe pas dans la vraie vie des gens. C'est ça que je veux dire. Il ne peut pas dire oh, j'ai oublié, ou c'est la faute de ma femme, mais alors sa femme, elle doit gérer des dizaines de milliers d'euros, et donc 5000 euros qui arrivent sur son compte. Oh ben, je ne l'ai pas vu passer les 5000 euros, mais c'est incroyable. Ça n'existe pas dans la vie des gens. C'est les mêmes qui nous disent bah, travaille un peu plus, Tcho, parce que va falloir payer là. C'est comme ça qu'on dit dans le Nord. On ne peut pas accepter ça de leur part. C'est là où la parole elle est décrédibilisée. Ouais, parce que les mêmes qui nous donnent des leçons de vivre, faites des économies, utilisez moins le chauffage pour la planète, etc. Utilisez pas la voiture, surtout, parce que c'est du diesel, c'est pourri, arrêtez de fumer, c'est mauvais pour la santé. Les mêmes, ils voient pas... Ça, c'est vrai pour la cigarette. Oui, d'accord, c'est vrai que c'est mauvais pour la santé. Retirez de l'exemple. Les mêmes ne voient pas qu'il y a 5000 euros dans leur compte qui ne devraient pas être là. 5000 euros, mais c'est 5 SMIC, c'est 4 SMIC, c'est énorme quand même. Allez,